to Fez. I wear a Fez now. Fez is cool. Salut à tous et à toutes, fans de Doctor Who et YouTubeurs. C'est The Doctor Bat. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le tournevis du maître. Donc voilà le maître avec son tournevis. Doctor Who. Le fond qui est vraiment pas mal. Moi je l'adore. Franchement c'est classe. Ici. Donc pour ceux qui savent parler anglais, vous comprendrez ce que c'est. Et pour ceux qui savent parler français, que français, et ben bonne chance. Donc là, warning, blablabla. Donc je vais pas tout vous traduire. Moins de 3 ans. Et pourtant là, il y a marqué 5 ans et plus. Doctor Who, donc pareil que tout à l'heure. Le tournevis avec marqué bzzz. Donc non, ça fait pas bzzz, mais bon, voilà. Donc ici, conseil d'utiliser, enfin pour les piles. Voilà, donc il est marqué tous ces machins. Je suis pas sûr qu'on les verra dans la vidéo. 5 ans et plus. Encore le petit TARDIS. BBC. Code barre. Voilà, alors. Le Master Laser Screwdriver. Ok, bon, la notice. Peut-être qu'il y en a qui s'en foutent un peu, mais il y en a d'autres qui ça peut intéresser, donc voilà, hop. Voilà, l'intérieur, donc on voit comment... Il nous montre comment l'utiliser, comment le refermer, blabla, voilà. Bon, problème, solution. Voilà. Donc maintenant, passons à l'objet de la vidéo. Voilà. Donc, il est... vraiment très 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 bien fait. Donc voilà, comme ça. Ça, je crois que c'est pour régler la puissance ou un truc comme ça. La sorte de boulon. Là, c'est d'où sort le son. Hop, voilà. Et les trois canons. Donc ça, ça tourne. Voilà. Donc maintenant, si on appuie, clac, ça s'ouvre. On appuie juste un tout petit peu. Si on reste appuyé, enfin, si on appuie une seconde, enfin, juste clic. Donc vous aurez certainement reconnu, les fans de Doctor Who, c'est quand il envoie des coups de laser. Donc, comme son nom l'indique. Hein. Voilà. Avec les trois canons qui s'allument. Et maintenant, si on reste appuyé environ 2 secondes, voilà, je tremble un peu. Je vais vous le refaire. Pas ça. Donc, c'est quand vous l'aurez aussi certainement reconnu, c'est quand il le fait vieillir. Donc, il le fait vieillir. Après, ça devient une sorte de truc tout bizarre sur un fauteuil roulant. Donc, pour le refermer, hein, suivi d'appuyer comme ça, pof. Si on voit, donc maintenant pour les piles, hop, vous tournez, vous tirez un peu, en tournant un peu, paf, voilà, ça sort. Donc les piles, elles se rangent ici, on les voit un petit peu, il suffit de dévisser, hop, vous enlevez. Ça, c'est le cran pour bloquer. Ici, le bouton, bon, c'est flou, mais c'est pas grave. Là, bon, la petite croix, l'intérieur pour ceux que ça intéresse, on voit pas, mais c'est pas grave. Voilà, pof, donc pour le remettre, hein, c'est très simple. Ici, il y a un petit encoche. Ici, un petit trou. Hop, on les aligne. Merde, je veux dire, comme ça. Ah. Donc en fait, non, pour le remettre, il suffit de... Vous le mettez, vous tournez en tous les sens jusqu'à ce que ça rentre. Voilà. Vu de derrière, hein. Devant. Sur les côtés. Et voilà. Donc c'était tout. Il n'y a pas vraiment grand chose à dire. À part qu'il est très joli. Et c'était tout pour le tournevis du maître. Allez, à plus.